Je réponds au nom de M. Douglas Kalombo. Je suis le CEO de l'entreprise Global Service. Global Service est une entreprise d'import-export, mais on a aussi d'autres activités secondaires que nous faisons. Donc, c'est ici la réception. Oui, c'est ici la réception. Quand les gens viennent, ils se mettent de l'autre côté et la secrétaire, elle est là. Et ça fait combien d'années que vous occupez ce bureau ? Pratiquement 5 ans. Et la particularité avec Global Service, nous faisons même la douane. Donc quand quelqu'un envoie, on n'ouvre pas nos conteneurs au niveau de Matadi, on amène ça jusqu'à Kinshasa. C'est à Kinshasa qu'on sert nos clients. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Le parfum d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. C'est l'avant-dernier numéro de la semaine, vendredi. Nous allons donc faire le tour de l'actualité, c'est vrai, revenir sur les questions importantes aussi, mais permettez-moi de vous le dire quand même, première partie de Critique Info a toujours été consacrée à l'éveil des consciences, consacrée à la responsabilisation de notre peuple. Moi, j'ai comme l'impression que plus on est en train d'en parler, plus on est en train de marteler sur la question, quelques esprits vont certainement revenir sur le bon sentiment, et d'autres vont le comprendre plus tard. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui, pas beaucoup, pas, en tout cas pas beaucoup, surtout pas le premier sujet. Seulement, je voudrais encourager encore une fois, ceux-là qui ont choisi les chemins de la vérité, ceux qui ont choisi les chemins du travail, ceux qui ont choisi les chemins de la grandeur, ceux-là n'auront toujours pas les applaudissements, ils n'auront toujours pas les encouragements. Ils n'auront toujours pas la récompense, mais ils resteront dans l'immortalité parce que les gens parleront d'eux après. Lorsque cette génération des laxistes et des corrompus, des faibles, des insuffisants passeront, je veux dire passera, on se souviendra d'eux. On dira dans une génération pourrie, des aventuriers, des farceurs, il y a eu des hommes et des femmes qui pouvaient dire non. Il y a eu des hommes et des femmes qui pouvaient, malgré le vent, rester dans la vérité, rester dans la droiture et le dire. Même si vos contemporains ne vous comprennent pas, ne soyez pas gênés, ne soyez pas perturbés. C'est vrai, ça fait mal, ça gêne, ça embête. Mais persévérez dans la vérité parce que ce n'est que la vérité qui vous sauvera demain. Ce ne sont pas les moyens, l'argent, tout le reste. Ce n'est pas ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider demain à garder votre nom dans l'immortalité, ce sera vos actes de bravoure, vos actes de courage. Lorsqu'un monde est dans la perdition comme le monde dans lequel on vit maintenant, où les gens font des aventures, ils se complaisent dans la théâtralisation et même de la scène politique. Lorsque les gens cherchent le buzz, même quand ils sont censés chercher le vrai, moi je me dis, mais on est en train de ne plus rien comprendre dans ce pays. Quelques personnes, je ne sais pas moi, Bazuangowapi et Utiwapi. Et non, ils ont quand même les kilos, le courage de me faire un message comme quoi Christian Bosembe, Zonga, reproduire, Bandela Marambolobaki. Je ne le ferai jamais. Ce que je dis est vrai et ça reste vrai.
Moi, je ne suis pas en train de faire un théâtre à la télévision où je m'entends avec des gens pour qu'on fasse une petite comédie à la télé. Je ne suis pas dans cette comédie. Moi, je suis dans le concret, dans le fait. La comédie, ça finit par passer. Babylon retourne au salon, c'est bien. Mais il y a une chose qu'il faut rappeler, Bato. En 2023, on aura un discours. En 2023, le discours devant le peuple, qu'est-ce que l'on va dire? Tout le théâtre que les gens font, c'est bien de le faire. Mais en 2023, quel est le message que l'on va apporter? Parce que ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'une seule personne portera le chapeau de tout ça. C'est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, président de la République, a dit le papa, ou a bimina bana dans un restaurant. Parce que la colia, bana wana babuka, balia, babebisa, babongisa, bakope sa facture na papa. Donc, ce qui papa les gars fout ta facture, il y a malamou, il y a ma kasimingite, et c'est ngeli na yemoko papa à tenir bana na yé na ba responsabilité na bango. Pour dire, ne cassez pas des verres, ne cassez pas des assiettes, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Parce que moukolo restaurant, à retour na banate. Aucune personne, il y a un restaurant, il y a une facture, après si moi, on a mon corps. Non, moi, on a mon corps. C'est comme ça. Le peuple ne demandera pas un ministre, ne demandera pas un DG, ne demandera pas, même pas au président de l'Assemblée nationale. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? On ne demandera pas ça. Le peuple demandera la facture au président de la République parce que c'est lui qui va le solliciter. Voyez, Batonios. Or, les ministres incompétents, naba DG incompétent o batondi na ba gouvernement wa lelo bango wana zomona wana bazoyi bakambongo wa l'état malembe malembe bako pesaka na ba base na bango parce que ba yebi que plus tard ba ozongo na bango ba député plus tard ba ozongo na bango ba sénateur ba ozongo na bango je ne sais pas même ba député provincial et une partie du peuple c'est facile de le corrompre hein? Très facile de corrompre une toute petite partie c'est juste une petite circonscription non pas seulement 2000 non pas seulement 3000 non pas seulement 6000 et puis il y a les kanango. Mais le président n'aura pas le moyen de corrompre tout le monde. Non. Circonscription électorale, la présidente a dit Congo Mobimba. Donc, c'est au président de la République de redoubler vigilance. Bah, contraire à performance, bah, signaki. Les belles intentions, bah, ministre, bah, yakinango, avant, bah, qu'on a pouvoir. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Ndemotuna. Le lot aux Awapi. Il faut poser la question au premier ministre. Monsieur le Premier ministre, lorsque tu faisais des consultations et que tu discutais avec les ministres, bah, il dit ça quand il y a ça la mine. Est-ce que le lot osa satisfait Nango? Par contre, si le chef de l'État pose la question, Nabatulogo, bah, IGF, a tout ni bon, bon, écoutez, IGF, aujourd'hui, où en sommes-nous? IGF va dire, non, monsieur le Président, fous-moi le téléphone, voilà, Président, n'a pas de quoi. Président passe du téléphone, tout ça, on regarde, Président, fous-moi le téléphone. Président Fongoli téléphone naïe. Alors Atali. Alors on retarde le président, il tombe sur un document. Ok? Balobi, niveau de transparence budgétaire de pays africains. Bref, le classement. Et le chef de l'État Zotala. Il dit, ok, tout en gas. Bandu Kotang. Bogotang a mboka nabiso Congo, Bogoluka, RDC, Boti, Bogouta, RDC, n'a place au commis progrès significatif. La RDC. Progrès significatif. Et quantième pays, déjà quantième, on va lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je crois 16. Donc, dans 20 pays, où tu vas lire, tu vas lire, RDC a déjà un progrès significatif. En combien de temps? En combien de temps seulement où RDC a inscrit les lots dans la logique, quelque chose. Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut poser la question à ma ministre? Pouvoir na niveau na bango. C'est des questions qu'on doit vraiment poser. Ok, à votre niveau maintenant, vous mettez mboko na niveau ni. Parce que moi, IGF va dire non, c'est grâce à la peur des gendarmes qu'aujourd'hui mboko les tésons na niveau. Et c'est de façon incontestable. Et vous venez me dire à moi, Christian Bossembe, de revenir. C'est pas possible. Continuez à vous abreuver du mensonge, de la poudre, vous continuez. Ça, c'est bien, abreuver. Vous continuez à vous abreuver, vous avez le kouta, il y a un modèle. Mais rassurez-vous seulement d'une chose, la vérité n'a pas de temps. La vérité, c'est un moment temporel. Et finira toujours par Kobima. Au-delà de la polémique stérile, je n'entre pas dans des polémiques inutiles qui n'ont rien à voir et qui n'apporteront absolument rien dans le cannabis.
Je continue, moi, à proposer ma recette à moi, ma façon à moi de comprendre la vie, ma façon à moi de comprendre les enjeux politiques. Je dis que c'était venu encourager les gens qui se battent chaque matin, chaque midi, chaque soir pour le développement de ce pays. Je viens vous encourager. Ce pays est un pays ingrat. Quand je dis le pays, ce n'est pas la RDC. Ce n'est pas la RDC dans ses frontières. Ce n'est pas la terre tangible de la RDC. Non. Je parle plutôt du système dans lequel on évolue est un système ingrat. Ce système ne récompense pas l'effort. Ce système ne récompense pas la lutte. Ce système ne récompense pas le sacrifice, n'honore pas la vérité, ne sublime pas la loyauté. C'est un système, malheureusement, qui encourage les instables, qui donne la place aux déséquilibrés, qui encadre les versatiles, mais surtout qui fait la promotion de l'apparent. Et nous avons comme ça des hommes et des femmes qui se retrouvent ministres, qui se retrouvent DG, qui se retrouvent PDG, qui se retrouvent, je ne sais pas moi, vice-ministre, député, sénateur, ainsi de suite, mais qui se retrouvent là par autre moyen, autre mécanisme que la compétence. Et ça, ce sont des vérités. Oh, il faut tomber le Belanaga, Monsieur Moko. On a fait le choix d'oublier et d'abandonner la méritocratie pour accepter l'apeuprisme. Et nous sommes, nous nous complaisons, Nabilo Kouara. C'est-à-dire, on se vertue même à garder les hommes comme ça. Parce que tel est beau-frère, parce que tel est cousin, parce que tel est gendre, parce que tel est belle-sœur, parce que tel est une ancienne copine, parce que tel est un ami à Kala, parce que, et on est encore dans ça, dans ce que moi je peux considérer comme une copinocratie. On est encore dans ça. Le même mot. Oui, Bomaki Mobutu. C'est le même mot. Au Kabila, le père Azouakiango. C'est le même mot. Au Kabila, Joseph Amimakiango. Et c'est le même mot. Au Ezokondjoko gangréné, gouvernance, il y a Félix Tshisekedi. Ce sont les mêmes choses. Je vais vous dire que c'est culturel. Ça ne dépend pas d'un régime ou d'un autre. C'est culturel. C'est notre façon de faire. Façon de vivre en Abissou Yangouana. Une fois qu'on est au pouvoir, il y a toute une famille qui est là. Il y a les frères, les beaux-frères, les cousins, les Koubango, tout batondi, nakou nayo. Et ils te prennent pour responsable de leur chômage. Un peu comme pour dire, yo peso kota nayo mema yangokuna. Et que faisons-nous de la compétence alors? De la méritocratie? Du travail? De la vérité, de la loyauté, des vertus et des valeurs. Quand est-ce que nous allons laisser la place, la gestion à ceux-là qui véritablement connaissent, mais qui n'ont pas d'attache, qui n'ont pas de lien de famille, qui n'ont pas de parrain ou qui n'ont pas de... Quand? Ça arrivera quand, ce moment-là? Ça va arriver quand? Quand on va arrêter de nous regarder dans les noms? Quand on va arrêter de nous regarder dans nos tribus? Quand on va arrêter de nous regarder dans nos appartenances politiques, ainsi de suite? Mais quand on va regarder la production des cerveaux des gens? Tu recommandes un moment, on a quand? Et ce n'est que quand on arrivera à ce moment-là que ce pays va commencer à décoller. Quand on va cesser de faire la promotion de la médiocrité, quand on va arrêter la médiocratisation de notre vie politique, les choses vont changer. Mais tant que tu dis qu'il y a la logique, il y a le tribalisme, logique, il y a l'ethnicisme, logique, il y a le clanisme, logique, il y a le parti politique, logique, il y a l'appartenance familial, yakala, te colle ensemble, te botam ensemble, te tangaki ensemble, ou même te souffrant ensemble, te continue qu'à abouer. L'homme au pouvoir a tendance à confondre deux choses. Et ça, c'est l'erreur fatale. Il y a tous les dirigeants du monde. Ils auront bango kak. Cette compassion dans la lutte du passé. Oui, la compassion dans la lutte du passé, c'est bien. Mais il faut savoir que les munitions avec lesquelles, les munitions qu'on utilise pour la conquête du pouvoir, ne sont pas les munitions qu'on utilise pour la, pour le maintien ou pour la conservation du pouvoir. Et dans dernier mot, moi, je plains beaucoup de gens. J'entends, je les entends dire au chef de l'État, au Tikibi Soka Bongo, Togundanayo. J'entends les gens dire ça. Ngaba pa nga kufa pour na UDPS. Maman nga kufa pour na UDPS. Ngaba de koranga pa kufa pour na UDPS. Na kufa pour na combat oyo. Na za na misoute. Na katana maboko. On peut dire tout. Mais de koranga de tout à moi. Au ça la place ni. Il y a des gens qui ont la place. Ils ont été nommés. Ceux qui ont été dirigeants. Est-ce qu'ils ont été nommés? Ils ont été nommés place. À un moment donné, nous demandons beaucoup plus aux gens. Et je suis convaincu de l'impasse dans laquelle le chef de l'État se trouve parfois lui-même. Est-ce qu'il faut être rigoureux?
Est-ce qu'il faut céder un peu? Mission na place na yin ogolobanim. Ba to bobuni na bango pendant 32 ans. Ba accompagner papa na wana bitumba. Ba zala ki ensemble na bango. Ba beta na ba gaz. Ba msou ba koufa. Ba perdre ma famille na bango. Oui, mais lelo bozu bokondi. Mais yon moko se rende compte que, bandeko na ngoto bunda na bango. Toi qui formé pour la combat. Pas pour la gestion. Pas forcément pour la gestion. Parce qu'il y a une différence. Les gens ne veulent pas dire la vérité. Vous pouvez avoir été là pour un combat, oui, Bobunda pour un combat, mais est-ce que pour la gestion, avez-vous été formé? Parce que être formé pour la contestation, c'est une chose. Mais être formé pour la gestion, est-ce que vous en êtes capable? Les empires sont tombés parce que ceux qui se sont battus pour la conquête ont cru qu'il fallait qu'on leur récompense. Mais ça va là pour la conservation et ils ont laissé les régimes entre les mains des autres. On les a chassés. L'erreur fatale, c'est de croire que la même vitesse au matin qui dans Ngomba et que vous avez la même vitesse au quitter dans Ngomba au dinda na libulu. L'intelligence qui vous sert à conquérir un pouvoir n'est pas la même intelligence qui doit vous servir à conserver un pouvoir. On ne badine pas avec le pouvoir. Le pouvoir, il est capricieux, il est glissant, il est têtu. Moindre caprice, le pouvoir s'en va. Le pouvoir, c'est comme de l'argent. Plus vous faites de bruit, plus il s'en va. Le pouvoir, il faut le garder. Et on garde le pouvoir par le sang, on garde le pouvoir par la sueur, on garde le pouvoir par le sacrifice. Ce sont les éléments les plus importants avec lesquels on garde le pouvoir. Regardez Winston Churchill. Il arrive, il dit au peuple anglais, « Moi, je n'ai rien à vous donner si ce n'est pas mon sang, mes larmes. Je n'ai que les larmes, le sang et la sueur. » Voilà, j'ai oublié de dire ça. Voilà. La sueur, les larmes et le sang. Yangonde ba liquide précieuse. Précieuse alors. Pour donc conserver pouvoir, pour donc battre la Bokonzi. Mais est-ce que nous sommes prêts à le faire? Je vois les gens dire, Fati avait injuste, avant que tu m'abé, tobunda wa, ba tiki biso pembeni, oui ndeko nangai. Mais pendant que yo banaki ko kene ko sala lutte wana, est-ce que tangaki te? Au passé, vivre dans mon bimba, na basse, ma manga, ko bunda, ko ganga. Oui, mais est-ce qu'au tangaki, au tangaki te? Aujourd'hui, il faut vous battre la Bokonzi Nabino. Bolingi, pour ça, il a deux mandats. Et deux mandats, on bolingi, pour qu'il y ait même un temps qu'on deux mandats. C'est-à-dire que ceux qui viennent au Bossili, ceux qui fachassili ici, Motomoussou, tu as eu deux pères, ça l'ingage au Bokonzi épée. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. C'est un peu comme en Amérique. Les républicains ont besoin de garder le pouvoir le plus longtemps que possible. Le pouvoir peut rester à l'UDPS autant que vous voulez. Mais, ni n'y a qu'on vende sa binokuna. Confiscation et ou melagate. Et la grave éphémère. Tu peux confisquer le pouvoir pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Il finira par t'échapper. Le pouvoir est glissant. Le pouvoir est capricieux. Le pouvoir est rancunier. Et le pouvoir est de nature têtue. C'est comme l'argent. C'est un bon serviteur, mais pas un bon maître. Alors, si tu penses que le pouvoir doit te guider, mais tu te trompes. C'est toi qui dois donner le sens au pouvoir. Et c'est à vous de décider. Parce que Fatih peut partir. Quelqu'un d'autre peut prendre le pouvoir. À l'UDP, ça peut être n'importe qui. À cause de Bokonzi. Abattez les Yangopé, 10 ans, les tous. Ça peut être comme ça. 30, on est à 100 ans. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que Bokobate les Yangopé, est-ce que beaucoup battent les engos na bateau bando gango bateau ganga na seban zété? C'est bien, mais la rue ne gouverne toujours pas. La rue, on s'en sert pour arriver au pouvoir, mais ce n'est pas la rue qui gouverne. Ce sont les têtes qui font de la rue fait qu'elle est qui viennent gouverner. Alors il faut être dans la capacité y'a kota la batalan wana. C'est ça même la logique d'un pouvoir. Nazawana na dota là na bio kebe lui on ne parle pas bien, lui il n'est pas de notre obédience, mais on peut se servir de lui. On se sert de lui pour gagner ça. On se sert de lui pour gagner de l'autre côté. Oui, on sacrifie un peu nos amis. On sacrifie un peu. En fait, la politique, hein. La révolution, comme on dit en français, dévore ses propres fils. Or, la minute, ce que l'UDPS devrait faire, c'est investir dans l'éducation, investir dans la formation. Si vous voulez véritablement garder le pouvoir, c'est investir maintenant dans la formation. C'est envoyer le plus de vos enfants dans les écoles, dans les universités, à travers le monde, pendant que vous êtes au pouvoir, pour prévenir le 20 ans prochain ou les 10 ans prochains. C'est maintenant. Faites un programme, c'est pour ça du programme Mogo, programme par exemple élite, ton programme par exemple élitiste. Ce programme-là recrute au sein des universités, des écoles, des talents, des génies. Au minimum, on paye sa bourse.
Vous savez que vous avez Étienne Tshisekedi. Vous avez une idée. Si vous avez un professeur de docteur, moi je m'en vais. Vous faites ça. Prix, excellence, droit, excellence par exemple, prix Étienne Tshisekedi. Ce prix-là, vous donnez aux meilleurs étudiants. Vous devez aller commencer à commencer à enrôlement dans le milieu universitaire. On ne fait pas la politique là-bas, mais on met une bourse. Le parti de l'UDPS offre une bourse à tous ceux qui auront 80%, à condition de prendre la carte de l'UDPS et de prêter serment que vous travaillez pour la UDPS. Et là, l'école, l'université, l'UDPS vous prend en charge, ou n'importe quel parti. Ce qui est bongo, non seulement que vous avez résolu un problème, mais vous avez un nombre important de gens. Et là, c'est le plus beau recrutement. Parce que vous allez recruter les meilleurs parmi les gens qui sont en Tangaona. Et bah, 80%, au bah, qui est au Maroc, bah, qui est aux États-Unis, bah, qui est en France, bah, qui est sur place, et tout ça. Au bout de 5 ans, 6 ans, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez créé une génération de cadres. Ces jeunes gens viendront de partout à travers le pays. Et bon, lutter, un, contre le tribalisme, parce qu'ils viendront de partout. Deux, bon, lutter contre affaissement, il y a niveau, il y a élite. Bah, combien est belé? Et puis encore, bon, tu n'as pas différentes. Différents secteurs, différents départements. Beaucoup sont géologues, beaucoup sont avocats, beaucoup sont médecins, et vous créez un parti d'élite. Et là, votre parti est comme une partie à Makassi, avec des jeunes, et qui vont porter lobby, couleur, il y a un parti Namino Likolo. Mais si vous dites toujours, ah, bah, Kabundana, bah, Olia Mongo, Bangomoko, Kabuya, Olia Mongo, Bangomoko, moi, je peux dire aux gens, tout ce que vous pouvez dire, moi, je l'accepte. Mais il faut retenir aussi, quand même, que Kabound et Kabuya, bref, cette équipe-là est mis Fachin à pouvoir. Ça, il faut le reconnaître au moins. On peut dire ce que l'on veut, mais Bango, Mimi, Etienne, pardon, Félix Tshisekedi, au pouvoir. Reconnaissez ça au moins. Ça ne va rien vous faire, mais vous reconnaissez quand même. Mais au-delà de ça, il y a maintenant un problème au niveau interne maintenant. Comment on va faire? Parce que j'entends. Ah ouais, c'est Guylaine Yembo qui est mauvais, le directeur de cabinet. Adamabe, Fatih Azubato. Mais finalement, oui, mais entre nous soit dit, le pouvoir est battu la magadaba militante. Le pouvoir est conservé par les cerveaux, mais il est généralement conquis par les militants. Tobo ça n'a pas rôle T. Tobo ça n'a pas rôle T. Pour préparer, on a besoin d'un cuisinier. Mais pour aller au marché, n'importe qui de bonne volonté peut aller au marché. On va lui demander, Sombaboué, Sombaboué, Sombaboué. Maintenant, Koya Nango, Moutangola, Mbekozalasouyete. Parce que là, c'est un autre problème, c'est une autre démarche. Il y a d'autres pressions, il y a d'autres réalités qu'il faut, à un moment donné, tout ça, Nango. Je ne dis pas qu'on a eu des pèses, tout basaté, non. Mais c'est le même problème qu'il y avait au PPRD. Le jeune du PPRD disait à l'époque, va choisir Bissot, va mon ami Sotinaté. Mais justement, la jeunesse a été considérée comme une arme de la conquête du pouvoir. Mais pas pour son exercice. Parce que eux-mêmes, déjà, n'avaient pas beaucoup de confiance, Nabino. Nabino, mais comment on va demander à ces jeunes gens? Bah, petit Obengi, bon, c'est bon, $3,000, bah, pandi, kuna. $3,000 seulement. Bah, ceux qui sont, bah, pandi, bah, bilo, kuna, 3,000. Mais ceux qui ont passé bon pouvoir, ceux qui ont passé bon $7,000, ils vont quitter le parti. Donc, ce n'est pas des gens qu'il faut considérer. Parce que eux ne sont. Voyez un peu comment ça tourne. C'est pourquoi j'appelle les jeunes gens qui veulent faire la politique de faire ça autrement. Je plains des jeunes gens qui veulent faire la politique maintenant qui commencent par des insultes. Politique au Fingana, politique à spectacle, et c'est si là. Oui, mais écoutez, c'est fini cette histoire-là de passer à la télé pour insulter les gens, passer à la télé pour contredire, pour le plaisir. Non! Et l'avantage dans tout ça, c'est qu'au milieu du désespoir dans lequel on baigne maintenant, une lueur de sport résa plus tard. Toujours on est en train de musique à une petite fenêtre. On est en train de voir que, oui, demain, ça promet quand même une nouvelle génération de gens, Bakoya, pour faire les choses autrement. On n'aura pas des ministres qui font des spectacles à la télévision. On n'aura pas des ministres qui font des, ministres, des GA qui font des spectacles. Arrivera un moment donné, on aura des hommes sérieux qui auront la conscience de la tâche au Bazui et on comprendre que nous faisons ça pour le pays. Pas pour un individu, mais pour le pays. On va faire ça, on va travailler. Et je pense humblement que tu es au commun à niveau. Mais pour l'instant, que chacun de nous donne le meilleur de lui. Que chacun de nous se forme. Que chacun de nous se prépare lorsque le gestion est comme il est, à de l'après. Parce que combien de gens, chef de l'État, pensent qu'il va confier ça? Et belé, hein? Bon, on a vraiment la TV. Oh, chargé à communication, oh, chargé à boue, oh, chargé à boue. Mais yo, mon côté, lui, mais, ah, à commis, ah, n'engénie.
Moutoyo a commis côté au Ndengenini. Je crois que ça vous est déjà arrivé de vous poser des questions comme ça. Parce que moi, je me les pose tous les jours. A commis à il y a commis au Ndengenini. Tu n'as pas d'explication exacte. Mais est-il qu'il est là? Tu te dis, mais comment il a fait? Mais il est là. Pour des raisons où on a été évité. Donc, c'est très important de le savoir. Il faut qu'on change le pays dans lequel on vit. Parce que Mboko Toto vivre dans Mboko courageux. C'est quand même pas possible. Au fin de la TV, tu racontes des bêtises à la télévision. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais moi je me dis, mais wow, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des gens, quand tu regardes popularité, autant popularité, tout ça pour ça. Donc, c'est-à-dire, les gens veulent l'apparent. Donc, ils ne veulent pas investir à l'intérieur d'eux. Ils investissent dans l'apparence. Mais en réalité, il ne vit pas, il n'existe pas. Au fond de lui, c'est vraiment un vide total. Mais pour des raisons X ou Y, il occupe une fonction politique, administrative, ainsi de suite. Au nom des partis politiques, au nom d'un parti politique, il se retrouve DG. Au nom d'un parti politique, il se retrouve dans tel endroit, dans tel autre endroit. Mais le casting national qui doit être fait, qui doit sélectionner les meilleurs et les placer en orbite, et bah faible va apprendre. Parce que dans un pays sérieux, ceux qui connaissent agissent. Et ceux qui ne connaissent pas apprennent. C'est ça la logique. Mais chez nous, c'est le contraire maintenant. Ceux qui ne connaissent pas agissent, et ceux qui connaissent se taisent. Ils sont tout de suite exclus. Mais bizarrement, les gens veulent un résultat. Nous voulons un résultat. Mais quel résultat vous aurez si vous avez inversé la chose? Si vous avez véritablement, vous êtes, je ne sais pas ce que je veux dire, mais ça dit, bon, changer logique, Yamakabo. Là où les hommes réfléchissent, binobozu, bato, bato, talana, mabanzo. Il y a des moments où tu regardes les gens réfléchir, bon, moi, c'est vrai, hein, il faut dire, depuis 10 ans, parce que ça fait 13 ans que je suis dans le média, quand j'ai commencé le média, je comprenais vraiment pas pourquoi ça ne marchait pas. On me disait toi là-bas, oh, on me disait que toi là, mais je comprenais pas pourquoi mon aussi me battait. Non, non, mais tout le monde, question est belle, ah, n'est ni beaucoup aux riches, mais toi là, ni le côté bon. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais c'est je crois qu'il y a 10 ans que j'ai finalement compris pourquoi ça ne marchait pas. J'ai compris, ça fait 10 ans que j'ai compris maintenant. Donc, je ne m'alarme plus parce que je sais pourquoi sommes-nous là. Vous savez pourquoi nous sommes-nous là? Parce que les gens ne sont pas à leur place. C'est tout simplement ça. Les gens ne sont pas à leur place. Vous trouvez des meilleures personnes, des meilleurs profils, mais qui sont en contradiction totale et profonde avec le poste qu'ils occupent. Ce n'est pas que le gars est incompétent, non. Mais c'est pas qu'il est au mauvais endroit. C'est un Messi qui joue à la défense et c'est un Piqué qui se trouve à l'attaque. C'est quand même bizarre. C'est un défenseur qui joue la médiane et le médiateur, je ne sais pas moi, se retrouve en train de faire une défense. Mais ils réussissent à le faire. Ils le font quand même. Mais ils le font au minimum de ce qu'ils pouvaient faire. C'est des gens qui pouvaient donner le meilleur d'eux, mais ils ne pourront jamais parce que l'endroit dans lequel ils se trouvent va permettre Bango va s'en sortir, débat et clorter. Et c'est ça notre plus grand problème. Ajoutez à cela la mentalité qui ouf, faut oublier déjà, et tout ça, les gens répètent toujours dans les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. Mais moi, je continue à croire. Comme je dis, je ne suis pas un prédicateur de il y a Mabé, il y a, comment on appelle ça encore, il y a malédiction. Je continue à croire que ça va marcher, que ça va aller. Donc, et que ça ne sert à rien de perdre l'espoir, mais c'est de continuer à croire. Mais entre-temps, chacun de nous doit étudier, chacun de nous doit se former. Chacun de nous doit ajouter beaucoup de choses en lui, s'auto-former. Nous devons le faire et nous devons être exigeants. Le peuple doit être exigeant. George Orwell dit « Un peuple de moutons engendre un gouvernement de loups ». Nous devons être vigilants. Pas des applaudisseurs, mais vigilants. Regardez ce qui va et reprochez ce qui ne va pas. Tout en proposant ce que vous voulez. Donnez vos idées, ce que vous voulez véritablement beaucoup mieux évoluer. Mais quel est l'autre seul ami qui m'engueule? Il y a un gars aujourd'hui beaucoup dit, personne n'a beaucoup dit oui. Ne connaissant pas personne beaucoup dit, mais n'a qu'au tchao ici ne problème, on a qu'au place ni. Mais bien sûr, tout ça non, logique. Il y a ah tchao est courageux, bunda n'a pas courageux, pas bunda n'a pas courageux. Non, mon cher Dengue,
mo place mo za kunate e place zali latino lata ata mona ngayawa ata mona na yotole kina yoto mo sino yo awa abunda kata kuna non yango de bomi mboka o depuis longtemps mboka o kufi parce que bazo ko bunda na musala kuna avec ko bunda donc ko bunda kata basala kande ça dit ça devrait être que bato ba dans l'administration publique ba yebi administration publique bato ba dans la police ba yebi police et non bato ba dans la police ba ko bunda pomba ba police non ba bunda kana classe na musala basala ka babunda katango zoye kola kuna ndo zokere kubunda metango komi na niveau ko sala sala ina loko pesi nanya ngo pesa mutu mutu kana e ayiko ayiko ayibino ko kola mutu kate o pesa mutu ko bibo chef simba mutu ko bunda na ngara nzila o pesa te parce qu'a ko fondé la même manière le pays se meurt parce que nous avons donné le pouvoir on a donné la gestion aux hommes et aux femmes qui sont venus apprendre na musala wana des gens qui n'avaient pas été formés ils se retrouvent dans une situation mbalane a liboso na vie ba fungole les portières mbala liboso na vie avant na sima ba tuba memaye mbala liboso na vie na yangwana mbala liboso ba yamba na hotel à 3 étoiles donc biloko ne comme eza liboso pona ye eza mbala liboso en ce moment extrêmement grave ba benga na monsieur te va venir comme bonaye c'est comme comme ça monsieur liboso a monongo donc terrible ba fungole les portières donc c'est beaucoup trop pour lui c'est beaucoup trop et puis bizarrement et mbala moko il y a quoi là il y a mes fans de gozo ka ordre mais c'est quoi même d'avoir mis copé ça ba ordre donc mon ngondré donc moi appeler sur dans batami notre talent sur ba ordre sur ba ko exécuter ou pas c'est mais c'est quand même compliqué on voit des gens essayer leur pouvoir mais quand nous est-ce que ngandi kana ça wa mais qui nous monde dame dit venez ba katene sali à ce qui a suivi la vie tu vois hein? Ça c'est le pouvoir yo nanani sont vous allez qui former on va trouver ngo normal. Mais comme tu n'as pas été formé dans ma cambo, et comme il y a l'iboso à vie, oh mon nom donc grave. Non, s'il vous plaît, le temps de la médiocrité et l'équipement mingi, 60 ans, c'est bon maintenant. Offrez à ce pays ce qu'il mérite le mieux. Donc voilà un peu. Bande kolanga, bino bato bozo bunda dans la vérité, bino bato bozo bunda dans la loyauté, pour continuer ko bunda. Ne vous fatiguez pas, ne baissez pas les bras. Je le dis autant pour moi, autant pour vous. Continuons à nous battre, même si aujourd'hui on ne vous reconnaît pas, même si aujourd'hui on ne vous donne pas ce qui convient pour la bino. Rassurez-vous d'une seule chose, la nature s'organise toujours pour rééquilibrer les choses, pour mettre les gens dans la place Nango. Hitler était puissant hein, à un moment donné, mais la nature s'est organisée pour l'enfermer dans les oubliettes de l'histoire. Et à chaque fois que sa tête veut sortir, on la cogne, elle rentre à l'intérieur. Mais des gens qu'on ne pouvait pas s'imaginer, qui étaient petits dans l'histoire, très petits, Martin Luther King, Malcolm X, des gens qu'on réprimait, Mandela, des gens qu'on avait arrêtés. L'histoire s'est organisée pour leur redonner leur vraie valeur. Parce que l'histoire, c'est juge à Malonga et Yohana, juge incorruptible de Yohana. Et donc, c'est comme Moutouna, Moutou, Selon Moussalanaï. Toi, tu t'es battu pour la vérité, ta récompense sera là. Toi, tu t'es battu dans le mensonge. C'est vrai, le vent de l'histoire va t'effacer. Et toi qui t'es battu pour la vérité, la pluie de la justice est au botissa, est au germé, et puis au mata, au fouluka, au zalabia. Tenez bon, ne vous fatiguez pas. Si vous avez servi ce pays et vous avez cru que ce pays vous a déçu, non, le pays ne vous a pas déçu. Ce sont les animateurs de ce pays qui ont rendu un mauvais service. Mais le pays lui-même ne vous a pas déçu. Et je peux dire que votre temps viendra. Continuez à croire. Un jour, le soleil de la justice s'élèvera. Autant pour vous, autant pour nous. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. L'opinion de la Bible est là, la vidéo qu'on lit. Parce qu'il y a un tableau qui est États-Unis. On est comme un bon abonné pour Genèse. Moi, les États-Unis. Tata Yoki Kole Lanabino. Atinde Libino. Maman Samira. Ndenge aux Alakan États-Unis. Au Kole Lokola Moutouazana Mombele. Le cola mutuaza n'angaba. Merci mon boost. Waouh! Et c'est mon boost. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, topé en foutu un bila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, baby toyo. Chez Maman Samira, Mansour Mazali, et le comment côté au Koulouko, comment on a été.
Nandenga va bête. Pona kozo bilo kwa détail. Yoka numéro, numéro 938, avenue Maurice, na New York. Adresse, y'a entrepôt 12 40 avenue Randol, dans les banques. Tala, yoko banda koteka. Mbisi ya koka uka, mongusu, mafute mbila, e koko maloko la bazoka na yo. Yeah yo, kombone mama Samira, makiambae. Ozo lebe ni? Epela, mamba. Nazo lebe te, nazo lebe te kachibu. Malobi plus précisément na kate Washington. Balobi mama Marthe nde. Mama Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'un nyonso. Biloko ya ya wana ni yo kongole. Oni ginde ko la yo. A sali sa yote. Po na koria na yo. Moko babonde la yo. Po na mtoto na yo. Moko ya ele. Po po babonde la yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es qu'un. Tout à koria na ba chinois. Sinon koria pa ya chinois koria ni. Pour pas tout comprendre, Mawa. Bah, Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, Pino Moko. Bah, quoi, les radis, Coriana, appétit. Oh.